Allez, il faut que je le fasse. Je vais appeler Finn pour la convaincre de me laisser rejoindre l'Underground. Salut, Miles. Ça va? Pourquoi? J'ai vu pour le meeting de ta mère aux infos. On n'a rien. J'aurais le temps d'aller prendre un café? Je peux le prendre. Il y a un café sympa sur Edison, près de la Tour Fisk. Ils font pas des œuvres d'art avec de la mousse, mais au moins, les gens prennent pas leur latte en photo. Ça change. Ça marche. Rendez-vous là-bas. Allez, bientôt, je ferai partie d'un dangereux groupe de criminels. Tout va bien. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien aujourd'hui. On se retrouve pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur Spider-Man Miles Morales. Comme d'habitude, un casque ou des écouteurs. Mettez en 4K 60 FPS. Et on est parti, on va tous ensemble passer, je le pense, je le sais, je le sens, un agréable moment évidemment. Ça y est, YouTube a été un peu réparé. Nous avons enfin le jeu en 4K, donc ça, ça fait plaisir, je suis désolé. Par contre, l'épisode 4, la 4K ne sera jamais là. Bah, vous pouvez remercier YouTube, c'est assez terrible, mais c'est comme ça, c'est pas moi qui choisis. Bon. Monsieur Jameson a appris que j'étais, je cite son producteur, une groupie de Spider-Man. Et maintenant, il voudrait que je débatte avec lui. Jameson est un habitué des débats et c'est un journaliste accompli. Donc, même si j'ai raison, ça veut pas dire que je vais gagner. Dire la vérité ne suffit pas toujours. C'est souvent à celui qui parle le plus ou le plus fort. Mais ce débat va quand même avoir lieu. Je m'en voudrais si je tentais pas ma chance. Et qui sait, peut-être qu'on apprendra des choses. La semaine prochaine, je publierai un montage du débat avec Triple J et je mettrai la transcription complète sur mon blog. En attendant, les amis, investissez dans des filtres bleus si les écrans vous donnent mal au crâne. Salut! C'est problématique, ça, non? Oh, la petite maligne, là! Allez, boum, dans ma gueule, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, boum, deux fois dans ma gueule. Eh ben, elle était bien cachée, celle-ci, putain. Hop, ça... C'est fait. Bon, le crime est terminé, le temps de trouver la caisse. Mais c'est pas grave, on continue notre aventure principale. Hop, c'est rien, moi j'en ai rien à foutre. On va dire que c'est pas un problème. Donc je suis désolé, l'épisode 4, bah YouTube n'a jamais voulu la traiter en 4K, ça me fout le seum. Parce que bah c'est du travail pour rien, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, avec YouTube. Et ils en ont strictement rien à foutre. Ils règlent les problèmes quand ils ont le temps, quand ils veulent, voilà. Ils sont très tranquilles à ce niveau-là. Donc j'ai rendu une vidéo en 4K, qui est l'épisode 4, qui est incroyable en plus. Bah, un petit peu pour rien, ça me fout un somme de ouf. Mais bon, l'important c'est que ça reste très agréable tout de même à regarder, en tout cas je l'espère. Et là, normalement, on est de retour en 4K si YouTube a réellement réglé le problème. Sachant que l'épisode 5 était bien dispo en 4K, même si j'ai dû m'y prendre en 2 ou 3 jours. Bref, on va arrêter de raconter sa vie, parce que c'est pas pour ça que vous êtes là. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous respectez les consignes sanitaires, évidemment, quand même, hein, la santé, pas faire n'importe quoi avec, et ce virus de merde, bon, commence à être chiant, vous voyez ce que je veux dire. Tiens, il y a une nouvelle caisse encore à prendre. Vous savez quoi, on va la prendre, parce qu'on aime bien en faire des caisses ici, et on sait qu'elle est pas loin. Ah ouais, là où vous croyez, non. Ok, moi je crois que c'est là-haut. Donc c'est parti. Matez le RTX vraiment partout. Hein, sur, on dirait que l'Underground cache quelque chose ici. Sur chaque reflet, ça a vraiment de la gueule. Hop, ça dégage. Lui, il a tapé dans le vent. Miskin, certains diront. Hop, petite esquive, montage en l'air. Hop, on le récupère, atterrit sur ton pote. Et c'est terminé pour toi. Pendant que l'autre... Attends, parce qu'il y a le jeu qui fait que de me rappeler que j'ai des nouvelles, évidemment, tenues. Donc, il va... Oh, putain, elle a dégagé en enfer. Hein. Donc, on va les regarder tout à l'heure, parce que sinon, je vais me faire engueuler. Hop, voilà, ça, c'est terminé. Un petit coup de grâce aérien, ça fait plaisir. Ok. Hop, ça, c'est bon. C'est ce qu'on appelle du montage en l'air. Touche pas à mes amis, hein, qui disent celui-ci. Hein. Eh, ça va, hein. Tu crois que c'est ton ami, mais c'est pas ton ami. Hein. Elle te déteste. Puis elle est morte. Et ben voilà. Allez, on est parti. Aucun problème. Et ben voilà. Let's go. Allez.
Ça, c'est stylé de faire des figures. Hein. Par contre, il y a beaucoup plus de détails. J'y ai joué sur PS4 et il y a quand même beaucoup plus de détails sur PS5. On voit les gens et les voitures d'extrêmement loin, là où sur PS4 ça s'arrête vide et après c'est vide, il n'y a plus rien. Donc là, clairement, matez ça, t'as littéralement de la gueule. Ah ouais, ça a de la gueule de ouf. Vice, des prisonniers du RAF t'ont pris des otages dans un magasin. Matez ça. C'est magnifique quand même. C'est magnifique, on peut se poser 2 minutes s'il vous plaît. C'est magnifique. Allez, on est parti. On va aller au ce magasin. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Il y a un truc ici. J'arrive à la Médora de Central Park avec la lune. Ah. C'était l'Everest pour nous à l'époque. On était tellement contents le jour où on est monté tout en haut. Ok, il y a un souvenir ici, c'est ça? Attends, il est où ton souvenir? Ok. Qu'est-ce que c'est? Mais what? Cache-le toujours plus loin, frérot! Ah, mais c'est la fin du crime, là! Allez, j'arrive. Bon, qu'est-ce qui se passe, les gars? Si, si, tu retourneras. Tu retourneras, mon frérot. Hop, toi, c'est terminé. Hop, toi, montage en l'air. Petit combo aérien, on le reprend. Oh là, toi, viens par ici. Hop, ça, c'est terminé. Oh là là, ça, c'est très beau. Ça, c'est très bon, on apprécie, c'est un très beau combo. Tenez, une petite poubelle. Voilà, toi. Aïe! Tiens, hé, une petite poubelle. Une autre petite poubelle. Et une autre petite poubelle. Et une autre petite poubelle. Allez, tout le monde est content. Tout le monde a sa petite poubelle personnalisée, ça fait plaisir. Hop. Et ça, c'est une plaque d'égout. Hein. T'es censé mourir. Attends, je vois que t'es gourmand. Ok, pardon, excusez-moi, c'était pour les citoyens. Et ben voilà! Allez, ça dégage. On n'a pas le temps, on se casse, on va continuer notre histoire principale. Bon, on a fait des petits trucs annexes. Ça fait plaisir. Annexes, je ne sais pas pourquoi j'ai rajouté un thé. Je suis très fatigué, il faut savoir qu'il est 2h du matin. Je sors d'un live qui était incroyable. Évidemment, tous les lives sont incroyables. N'hésitez pas à me rejoindre tous les soirs sur Twitch à partir de 19h et c'est parti. Je suis contente que tu m'aies appelé. J'avais besoin d'une pause. Pourquoi? Oh, à cause du boulot. Écoute, j'ai été à l'atelier de ton père. Je pensais t'y trouver. On aurait dit qu'il y avait eu comme de la bagarre juste avant que j'arrive. Je suis rentré, j'ai jeté un œil. Je sais pour Rick. Je suis vraiment désolé. Qu'est-ce que t'as trouvé d'autre? Je veux t'aider. Mais il faut que tu me parles. Je suis désolé que ta mère ait été blessée. Ce serait pas arrivé si le nouveau Spider-Man n'avait pas été là. Miles, essaye pas de me dissuader. Je sais ce que je fais. D'accord. Cool. Bon, voilà mon grand secret. C'est pour ça que j'étais occupée. C'est quoi ton excuse? L'école. Le bénévolat office. T'as toujours fait des trucs comme ça. C'est quoi la vraie raison? La vraie raison, c'est que... Je crois que j'ai voulu assumer beaucoup trop de responsabilités en même temps. Je me suis éloigné de mes amis. Mais je veux arranger ça. Je pourrais peut-être rejoindre ton club? Gang? Équipe? Je sais pas trop. Tu sais, Rick était... Il était super. Je comprends pourquoi tu fais ça. Si tu veux que je t'aide, je suis là. Sinon, pas de problème.
Je dirai rien à personne. T'es un bon ami, Miles. D'accord, on y va. Où ça ? Tu sais bien que j'ai le vertige. Tout ira bien. Je serai là. Ok. Tu vas devoir faire tes preuves auprès de l'Underground. Je t'expliquerai comment quand on sera à la Tour Fisk. Me dites pas que vous vous êtes installé dans les bureaux de Kingpin. Le FBI a saisi sa propriété quand il est allé en prison. Ils se sont pas encore décidés à la vendre, alors on s'est installé. Comment tu t'es retrouvé mêlé à tout ça ? L'Underground, Tinkerer ? Tinkerer, ça veut dire bricoleuse. C'est mon rôle. J'ai tout fabriqué. Les masques, les armes... La matière programmable. Exact. En essayant de dévaliser l'atelier de mon grand-père, l'Underground a vu sur quoi je travaillais. On a passé un marché. Je sais que tu veux te venger de Krieger, mais... qu'est-ce que ça leur rapporte à eux ? À part les armes. La notoriété. Ils veulent être assez connus pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Et ça te dérange pas ? Je peux pas combattre Roxxon toute seule. Viens. Ça me fait de la peine, hein. On abuse un peu de sa confiance, entre guillemets. Et je pense qu'elle va être énormément déçue quand elle va voir qui je suis. Pour leur prouver que t'as peur de rien. Ils me regardent ? Par les fenêtres. Tu dois y arriver. T'inquiète, ça va aller. Ok. Je vais me faire juger. Ça va être terrible, hein, quand elle va savoir... Je dois y arriver sans lui montrer que je suis Spider-Man. Allez, Miles, te plante pas. Là, s'il se passe quelque chose, vraiment, c'est pas de bol, hein. Quand même. Voilà, on y est, c'est bon. Attends, on va sauter de cette hauteur. Parce que c'est là. What ? Mais ça, je me... Quoi ? Mais ça, je me détruis la gueule. Non, mais c'est pas possible. Je te tiens. Alors, je fais partie du club maintenant ? Bien sûr. Mais fais attention. Ces types mettent du temps à accepter les nouveaux. Voilà, c'est ici que je travaille sur mon plan. En parlant de ton plan... Ah ! Elle a mis son masque. Tu fais quoi avec l'uniforme ? Krieger dit que t'en as volé toute une cargaison. J'ai volé une bonbonne. J'ajuste la formule. T'inquiète pas pour ça. Prends la journée pour t'habituer. Ah, okay. Maté la qualité. Il était en 4K et maté. Bonne voix. Pas maintenant. On a une nouvelle recrue. Ok. Oh la vache. C'est toi qui as fabriqué tout ça ? Ouais. Tant que je leur fournis de nouvelles armes, l'Underground reste loyal. C'est une épée en matière programmable ? Nouveaux ennemis, nouvelle méthode. Tu veux parler de Spider-Man ? La plus mauvaise surprise de la semaine. Ok. Ah oui ! C'est stylé, je veux ça, moi, les gars ! Je vais devoir lui expliquer. Miles, j'ai un truc à régler. Attends-moi ici, ok ? Ah ouais, ok. C'est le moment. Il faut que je trouve où elle garde l'uniforme. Ah ! Il y aurait peut-être des indices là-dedans. Eh ben, j'ai fait bugger le jeu encore, forcément. Aïe, 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 je ne peux pas bouger. Et j'ai l'épée bloquée en moi. Ça, c'est assez terrible. Comment on va faire ? Eh ben, on va recharger la partie. Heureusement qu'on est sur PlayStation et que c'est très rapide. Allez. On est parti. Il y aurait peut-être des indices là-dedans. Vous avez vu la vitesse ? Il n'y a pas eu de cut, hein. Il n'y a eu aucun cut, hein. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tous les médias parlent de l'Underground depuis l'attaque du pont. Faut qu'on devienne crédible. Moi, je pense qu'on devrait se concentrer sur la colle et les coltinets de l'uniforme. Ok. C'est le coltinet ? Ils l'ont peut-être apporté ici. Tu sais, je déteste Spider-Man. Alors, depuis qu'est-ce l'ancien qu'on a ? A pas été fichu d'arrêter le souffle du dernier. Je suis pas surprise que le nouveau soit aussi mieux que l'autre. Ça en
fait de l'argent. Je vais avoir des problèmes de droits d'auteur encore. Hein. Terrible. Hein. On est en 2020 et on se prend des droits d'auteur pour rien. Putain, c'est incroyable. Incroyable et infernal. Ok, on a encore un nouvel indice. Oh, on a un bel indice. Oh, bah dis donc, la tête qu'il a celui-ci. Alors ça, là, c'est au gang de Martin Lee. Ouais, c'est des trophées. Pour montrer qu'on rigole pas si on veut renverser Fisk et régner sur New York. Il devait être bien entraîné pour vaincre les démons. Je me demande où il s'exerce. Ah, mais c'est Fisk. Fisk serait pas trop d'accord. Ouais, il y avait des pièges et des portes secrètes un peu partout. On a tout trouvé. La tour Fisk est à nous maintenant. Des salles secrètes. Bon plan pour dissimuler un carburant mortel. Ils utilisent peut-être les pièces secrètes de Fisk au rez-de-chaussée. Bonne la pause, les jeunes. Ok, pièce suivante, qu'est-ce qui se passe? C'est là que je devrais aller. Ok, on a des trucs intéressants. Bonsoir, messieurs, dames. Oh bah, dis donc. Vache! J'ai l'impression d'avoir déjà passé quelque part. Faut que j'en parle à Grand. Attends peut-être de sortir, frérot, non? Ok, souvenez-vous, le premier combat de Spider-Man sur PS4, c'était ici. Ma mère. Ouais, elle a besoin de moi. Quoi, là? Maintenant? Ouais, elle s'est cassée le poignet. Je dois l'aider à cuisiner. Tu lui as dit que j'étais... Merci. Tu peux sortir par là. On se revoit bientôt. Compte sur moi. On va voir s'ils cachent leurs secrets en bas. Bon, ça sent pas bon. Je suis dans les aérations. Super. T'as trouvé où se cache le nuforme? Pas encore. Mais j'ai vu Finn se diriger vers le sous-sol. Alors je vais essayer de la suivre. Eh, quand tu rentres dans les tuyaux comme ça, tu fredonnes pas une musique trépidante comme si t'étais dans un film d'action? Et t'imagines pas qu'on va t'attacher dans une cellule au-dessus d'une fosse avec un crocodile, d'où tu sortiras en fabriquant une bombe avec des vieux chewing-gums? Quoi? Non! Ok, je me demandais juste. Ok. Ah ouais. Je dois désactiver le matos d'entraînement de l'Underground et après, je chercherai cette pièce secrète. Ok. Voilà. On va prendre ça. Je peux pas croire que j'ai parié là-dessus. Normalement, si je fais ça. Attendez, ça va être chaud. Sniper. N'oubliez pas, plus de ça, frappe-le à la tête. C'est bon, j'ai entendu un bruit. Faut garder un œil sur la cible. Oh le bâtard. Bon. Allez, Roxane n'aura pas d'état d'âme. C'est pas grave. Tiens, viens par ici, frérot. Très bien. Bon. Il y en a un qui est tout là-haut, là. Oh, lui, il est terrible. Lui, il risque d'être assez terrible. Il y en a un aussi tout là-haut. Oh là 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 là. Ça va être dingue tout ça. Oh tiens, eh. Hey. Oh non. Salopard. Viens là toi. Ah oui. Ah d'accord. Tu triches. Bon. Désolé. Je parle beaucoup. Mais.
On va essayer d'être concentré au maximum. Ok. Et est mort, Spidey. C'est qu'une question de temps. Viens ici, toi. Voilà. Bon. Il faut y aller tranquillement. On va pas forcer les choses. Il y a eux deux aussi, hein, qui sont très stressants. Pas évident, hein. Viens par ici. Bon. Ça, c'est plutôt pas trop dégueu pour l'instant. Alors, on va garder la mine. On va... Voilà. Deux. De nouveau, qu'on va arracher très rapidement. Oh non, il a été bloqué, c'est terrible. Viens ici. Très bien. C'est l'heure de la pause. Ah, c'est terrible. Ça c'est fait. Ok. Et merde. Bon, ça va, ça passe, ça passe, ça passe, on prend. Hop, on va aller là-haut tranquillement. Ça, on prend tout ça. Hein. Oh la vache. C'est chaud. Alors, et j'ai l'impression qu'ils viennent à l'infini, c'est terrible. C'est terrible. Casse-toi maintenant et on oublie toute l'histoire. J'ai vu quelque chose. Oh non, je peux pas. Ok. Hop, toi, tu dégages tout en bas. Bon, bah désolé, bon, on a essayé de faire quelque chose de bien. Malheureusement, c'était très compliqué, donc on va devoir tous les arracher. Hop. Voilà, et ça, regardez, regardez. Boum. Ça, c'est très beau. Hop, et toi, hey, ça dégage. J'ai pas le temps pour tes conneries. Ok. Et toi, ça, dégage. Hop, montage en l'air. Par contre, je sais pas si c'est ouf en fait de se faire cramer. Parce que la dernière personne qu'elle a amenée dans le QG, bah, c'est Miles Morales. Donc elle va forcément se dire, bah attends, c'est lui le Spider-Man. Ça, ça dégage. Et ça, ça dégage. Ok, toi, hop. Voilà, ça c'était pour le spectacle, pour montrer que c'était pas du bon. Pour montrer que c'était pas du bon pilier. Hop, ça, c'est terminado. Bon, on s'en sort plutôt pas trop mal. Ok. Hop, ça. Et ça prend, ça dégage. On est bon? On est bon. Encore? Putain, elle est résistante celle-là. Alors, il reste qui là-dedans? C'est terminé, okay. Let's go. Toujours aucune trace de Finn. Elle est forcément quelque part. J'ai lu une interview de Fisk où il disait qu'il appréciait l'art utile. Mais ça veut dire quoi?
Aucune idée. Mais ils ont aussi trouvé des passages secrets cachés derrière des œuvres d'art chez lui. Alors... Ah ouais, pigé. Je cherche. Bon. Trouver l'uniforme, ça j'ai bien compris. Alors, l'uniforme... Forcément bas, je pense, non ? Ça peut être cette connerie, là. Ok, j'ai... Forcément la statue, ça paraissait évident. Hey, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Allez go. C'est vrai que dans Spider-Man 1, il y avait quelques petites énigmes très sympas hein, pour le coup. Stylé les scars. Hein. Bon, ça va être compliqué entre Finn et moi. Plein de chefs de gang ont ce genre de sortie secrète. Je me demande si Fisk a voulu s'en servir quand l'autre Spider-Man est venu le chercher. Il aurait dû construire un ascenseur plus rapide. Il aurait peut-être pu s'échapper. Commence pas à donner des idées aux super-vilains, d'accord ? T'as entendu tout ce qu'il court dans la triade ? Ça doit être du lourd l'entraînement aujourd'hui. Je sais, tu peux pas le voir. On a trois nouveaux malades depuis le pont. Trois. On sait à quel point l'uniforme est dangereux. Tu savais que ce serait dangereux. C'était dans le contrat. Mais si on tombe malade, nous aussi. Si t'es pas content, tu dégages. Y a pas de place pour les chialeuses dans l'Underground. T'as entendu ? Ceux de l'Underground aussi sont malades. Ils sont... Ah. Ils sont totalement insensibles. Vous avez mis l'uniforme en sécurité ? Ouais, au labo, en ville. Gangi, ils ont déplacé l'uniforme. On n'est pas sûr de l'état de la bonbonne. C'était... chaud. Personne ne grise. C'était instable. C'est le nouveau Spider-Man. Ses pouvoirs ont détraqué la structure. Dites à tout le monde de pas y toucher. Leur repère. L'uniforme doit être dans l'un d'eux. J'ai besoin d'une image plus nette, pour affiner la recherche. On n'en sait pas assez sur ce machin. Qu'est-ce que c'est ? D'où ça vient ? C'est mon frère qui a créé l'uniforme. Chef de labo. Et... Roxxonne l'a tué. Je ferai tout pour que Roxxonne disparaisse. Vous êtes avec moi ? On est avec toi. Bien. J'ai besoin d'énergie. Générateur, batterie de voiture, tout ce que vous pouvez trouver. Apportez-les à l'opéra. Speed. Ah ! Elle a l'air énervée, elle ! Ok, je reconnais cette épée. L1, triangle, un sprint bionique. Oh ! Ah oui ! Ah oui. Ce que j'ai fait. Ah, elle est morte, hein. Mais ça a marché. Ah, elle est morte, hein. Moi, je vais regarder la carte que t'as trouvée pour essayer de relier les points. Cool. Je retourne électrocuter des méchants. Hop, toi. Un petit coup de brasse en l'air. Ah, c'est pas mal, ça, ma petite stratégie, là. Vous en pensez quoi, un petit peu, là, dans les coms? Oh. Oh là là, le doublé, comme ça. Incroyable. Très excitant. Tiens, toi, tu prends ça. Toi, tu prends ça. Et toi, hop, petite esquive. Ok. Wouh ! Ok. Voilà, ça dégage. Ça, ça dégage. Et ça... Hop, petite esquive. Oh, mais quelle épée, what the épée ! Hop, je suis là! Et ben voilà. J'ai analysé la photo que t'as prise de la carte. L'Underground squatte les anciens chantiers de Fisk, apparemment. Et ben on a du boulot, évidemment. Finn m'a parlé d'un opéra. Un opéra? Ça, c'est... Non, arrête-toi là. Un drame. Oh.
Ça doit être le James Theater. Je pense que c'est là qu'elle a caché l'uniforme. C'est ma prochaine destination. Si tu vas à l'opéra, je suis chaud. Si tu vas inspecter les autres repères de l'Underground avant, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Cool. Je vais ajouter des repères à ma liste de choses à faire, et je te ferai signe en arrivant à l'opéra. Je bouge pas. Je peux comprendre pourquoi Speed Nonagon n'arrête pas de planter. Finn a rendez-vous au James que plus tard dans la soirée. Ça me laisse le temps de regarder ce que raconte l'appli et d'autres trucs qu'il faudrait que je fasse. Allez, on a beaucoup de choses à regarder. Dites-moi un petit peu ce que vous voulez dans l'épisode 7. Est-ce que vous voulez qu'on se concentre un peu sur quelques quêtes secondaires? Est-ce que vous voulez qu'on tabasse les quêtes principales pour terminer plus vite le jeu? Regardez-moi un petit peu cette qualité. Regardez au sol toutes les petites voitures et tout, c'est incroyable. On va voir un peu en termes de tenue ce qu'on a, parce que je pense qu'on peut avoir des trucs très sympas. On peut débloquer celle-ci. D'accord. On peut débloquer celle-ci. La tenue, dessin animé, giga stylé par contre. On peut débloquer celle-ci. Oh, comment elle est classe! Oh non, je la veux. Celle-ci. Un peu too much pour moi. Et celle-ci, qui est pas dégueu. Mais alors, elle, les amis, aïe, 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 un frappe fantôme, elle est incroyable, hein, je prends. Je prends et on va l'essayer pour le prochain épisode. Evie. Évidemment, quoi d'autre résistance aux dégâts longue portée, les ennemis n'entendent plus les éliminations. Frappe de toile quand le camouflage est activé. Très bien, et puis pour le reste, malheureusement, j'ai pas assez de trucs. Et ça... génère un choc brutal quand des armes de l'Underground sont détruites. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Niveau gadget, on a ce qu'il faut. Ok. On verra le reste plus tard. Stylé, hein, cette nouvelle tenue, vous en pensez quoi? Moi, j'aime bien. Allez, on va s'arrêter juste après le podcast. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. À bientôt, tout le monde! À bientôt pour l'épisode 7. Et dites-moi ce que vous voulez voir dans cet épisode 7. Bisous, tout le monde. Ciao, ciao. Dans ce film où le bateau se retourne sur une vague géante à la fin, celui avec... oups, spoiler alert. Bref, si la tempête s'abat sur nous, beaucoup de gens vont avoir besoin d'aide. C'est le moment de faire un don à votre refuge de quartier. Et en attendant la prochaine fois, vérifiez votre note de crédit une fois par an. Vous avez droit à un rapport annuel gratuit. Soyez responsable. À plus. J'arrive à découvrir ce que Finn veut faire d'une uniforme et à lui reprendre, ce sera déjà pas mal.